messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Elle continue d'encourager les élèves à donner le meilleur. C'est le cas pour les lauréates 2024 du programme de bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile. Elles viennent des lycées d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La première dame permet ainsi de positionner les femmes dans ce domaine. Fin des assemblées, ennuyées les familles, Banque mondiale, la Côte d'Ivoire y a pris une part active. Le bilan est positif pour la délégation ivoirienne. Des investisseurs et partenaires du pays ont renouvelé leur confiance. Plusieurs accords signés en marge de la rencontre à Washington. À partir du 4 novembre, la RTI vous propose un contenu encore plus attrayant de l'information au magazine, des émissions redynamisées. Hier, c'était le lancement des nouvelles grilles de différentes chaînes radio et télé pour la saison 2024-2025. Une saison que vous allez aimer. Au Liban, un mois après, Naïm Kassem succède à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Il prend les rênes du parti chiite en un moment crucial de l'histoire du pays, marqué par la guerre avec Israël. La première dame Dominique Ouattara a procédé ce mardi à la mise en route des lauréates 2024 du programme de bourse d'excellence qui porte son nom, un programme pour les femmes dans l'aviation civile, une opportunité pour ces jeunes filles qui se distinguent par le travail. Nous y reviendrons dans ce journal. En attendant, allons aux États-Unis. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont pris fin le week-end dernier à Washington. Les ministres de l'économie et des finances ont multiplié les rencontres. Ils ont discuté avec des investisseurs et on retient que le pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires économiques. Serge Kolea est notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire engrange des points positifs dans ses rapports avec les partenaires au développement. À Washington, le pays est félicité pour sa résilience, ses performances économiques et la bonne gestion des finances publiques. De bons résultats que le ministre des Finances et du Budget a présentés au Forum des investisseurs souverains de Standard Chartered Bank. Adama Koulibaly a animé une session sur les derniers développements économiques de la Côte d'Ivoire. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la délégation ivoirienne a été invitée à partager son expérience autour du thème « Le partenariat mondial pour les finances publiques, nouveaux partenaires et état des lieux ». À cette rencontre, le ministre des Finances et du Budget a souligné les efforts déployés pour améliorer les finances publiques, avec notamment l'assainissement de l'environnement des affaires et la promotion de la bonne gouvernance. Au chapitre du renforcement de la coopération avec le groupe de la Banque mondiale, quatre ministres ivoiriens présents à Washington ont eu une séance avec Ousmane Diagana, vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale. Nous avons d'abord tenu à saluer la présence très efficace de la Côte d'Ivoire à ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils ont pu partager avec nous leurs expériences dans plusieurs domaines. Nous avons également échangé les initiatives nombreuses, parfois novatrices, que la Banque mondiale est en train d'expérimenter aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, en effet, notre institution va financer une opération d'appui budgétaire permettant à la Côte d'Ivoire de bénéficier des termes beaucoup plus intéressants pour ainsi investir l'épargne réalisée sur le développement de l'éducation. Et nous, que nous avons exprimé notre disponibilité à continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. Le séjour à Washington des ministres ivoiriens s'est achevé par une rencontre avec l'équipe du département du Trésor américain conduite par Eric Moyer. Dans l'ensemble, une mission pleine et fructueuse dans un contexte où les agences internationales de notation classent la Côte d'Ivoire deuxième en Afrique subsaharienne, passant de perspective positive à perspective stable. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les plus attractifs du continent. De Washington aux États-Unis, rendons-nous à Luanda, capitale de l'Angola. Une autre rencontre y a pris fin pendant 4 jours. Les inspecteurs généraux d'État d'Afrique et institutions assimilées se sont retrouvés. Ils ont évoqué des pistes pour lutter contre la corruption et le blanchiment. La Côte d'Ivoire, représentée par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, a pris une part active aux travaux. Alexis Ouadaogo.
mutualiser les efforts et s'enrichir des expériences et bonnes pratiques des autres pour plus d'efficacité dans les missions de consolidation de la bonne gouvernance. Voilà le sens de la 9e édition du Forum des inspections générales d'État d'Afrique qui referme ses portes à Luanda, en Angola. C'est l'occasion de faire le bilan une fois ensemble, tous les deux ans, de voir ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qu'on retient des autres. C'est un échange, c'est une plateforme d'échange et de réflexion qui nous permet de nous améliorer régulièrement. À la tête de la délégation ivoirienne, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a présidé le groupe de travail sur le référentiel d'audit et l'élaboration d'un projet d'organigramme type des IGE. On a eu des thèmes très importants concernant le référentiel, c'est-à-dire nos outils de travail, nos méthodes de travail, etc. Et concernant notre organisation. Et quand nous allons retourner, nous allons voir qu'est-ce que chacun peut mettre dans son organigramme et qu'est-ce que chacun peut prendre pour le faire. Chaque assemblée générale, chaque réunion nous apporte quelque chose, nous permet de nous améliorer. Notons que la Côte d'Ivoire abrite depuis 2016 l'Institut de formation en métier d'audit et d'inspection, installé à l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. D'une capitale à une autre, Paris accueille le monde du cacao sur 5 jours. Le salon du chocolat s'ouvre demain. Cette année, il y a environ 300 exposants. L'événement attire de nombreux visiteurs et professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, participe à ce salon depuis plus de 10 ans. Une idée de sa participation, d'ailleurs très attendue cette année encore, dans cet élément de Delphine Blanc, notre envoyée spéciale dans la capitale française. L'Europe demeure le premier client du cacao. On ne saurait donc imaginer un salon du chocolat en Europe sans le premier pays producteur, la Côte d'Ivoire. À cet égard, le salon du chocolat de Paris est un incontournable. La Côte d'Ivoire, avec environ 2 millions de tonnes de fèves par an, soit près de 40% de l'offre mondiale produite par un peu plus d'1 100 000 petits exploitants. Ces chiffres datent de 2019-2020. Chaque année, donc, la Côte d'Ivoire promeut le cacao et ses produits dérivés à l'extérieur en célébrant les transformateurs locaux. À ce niveau, il y a un défi à relever, celui de la transformation. Nos artisans locaux et les sociétés coopératives qui transforment leurs produits ont un réel talent et une volonté de se professionnaliser. Le Salon du chocolat de Paris est donc une belle occasion pour eux de développer leur réseau, comme c'est le cas pour les artisans chocolatiers que nous avons fait partir les années précédentes. Ils ont par la suite remporté des prix nationaux et internationaux et surtout, beaucoup parmi eux arrivent désormais à voler de leurs propres ailes en finançant eux-mêmes leur participation pour cette édition 2024 du Salon du chocolat de Paris. Le Conseil Café Cacao met l'accent sur le savoir-faire des artisans chocolatiers ivoiriens. L'enjeu de l'édition 2024 est clair. Il s'agit surtout de rassurer les visiteurs de l'engagement de la Côte d'Ivoire à produire un cacao durable et traçable. Notamment un cacao qui respecte l'environnement et la question de la lutte contre le travail des enfants. 29 octobre 2024, 29e édition du Salon du chocolat à Paris, porte de Versailles. Les artisans vont promouvoir leurs produits et tisser de nouveaux partenariats afin d'acquérir de nouveaux outils de transformation. Un retour ici à Abidjan, nous vous le disions il y a quelques instants, la première dame Dominique Ouattara a procédé ce mardi à la mise en route des lauréates 2024 du programme de bourse d'excellence qui porte son nom, un programme pour les femmes dans l'aviation civile. C'est une opportunité pour ces jeunes filles qui se distinguent par le travail. Alexis Oudraogo. Elles sont 11 jeunes filles à recevoir ce mardi au cabinet de la première dame les bourses d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation. L'initiative première du genre sur le continent va leur permettre de bénéficier d'une formation tout frais payée au Maroc. Je n'ai jamais rêvé que ma petite fille bénéficie d'une bourse de la part de la première dame. Elle a postulé et puis elle a réussi. On n'est pas passé par 1000 chemins. Pour Jean-Louis Moulot, directeur de la Sodexam, ce programme est une réponse au déséquilibre du genre dans le secteur de l'aviation civile. Il permettra aux femmes d'intégrer des postes clés du domaine. Les 11 lauréates retenues sur 328 candidates s'envoleront pour le Maroc le 1er novembre. Les frais généraux pour cette première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara se chiffrent à 330 millions de francs CFA sur les 5 années de formation. Ces frais généraux vont couvrir les frais pédagogiques, les frais de restauration, l'hébergement sur le campus de l'Université internationale de Rabat, l'assurance, les manuels pédagogiques
et les billets d'avion de mise en route. Déjà, un mécanisme de suivi est en place pour l'encadrement des jeunes filles qui devront être intégrées au terme de leur formation à la plateforme aéroportuaire ivoirienne. Les bénéficiaires s'engagent à porter haut le drapeau ivoirien. Nos parents ne se feront plus de soucis pour nous. Cette bourse n'est pas qu'une simple opportunité, mais un accomplissement. L'accomplissement de notre désir à toutes. D'exercer dans le domaine de l'aviation. Pour l'événement, les jeunes filles ont reçu les encouragements d'une aînée dans le secteur, Edith Maladiop, première femme ivoirienne commandant de bord. Vous êtes à l'aube d'un voyage extraordinaire. Vous avez une chance unique de vous former, de vous épanouir et de contribuer à l'évolution de l'aviation dans notre pays et sur le continent africain. Mon conseil que je vous donne est simple, n'abandonnez jamais. Des mots soutenus par le général Koulibaly, PCA de Aéria, et par le ministre des Transports, Amadou Koné. Chers enfants, vous êtes à compter de ce jour des femmes leaders dans l'industrie de l'aviation civile. Et vous pouvez compter sur notre encadrement, notre soutien. Promouvoir ce programme de bourse d'excellence doit être une priorité pour tous, car il est porteur d'un message fort. L'aviation civile doit être le reflet de notre société dans sa diversité et son excellence. Invitée au pupitre, la première dame Dominique Ouattara n'a pas caché sa fierté à l'endroit de ses filleules qu'elle exhorte au courage. Mes chères filles, vous êtes toutes mignonnes. Vraiment, je suis fière de vous. L'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui est unique. Le secteur de l'aviation est un domaine particulièrement élitiste qui nécessite rigueur, discipline et passion pour y travailler. Vous avez été choisie parmi des centaines d'autres candidates pour bénéficier d'une formation de haut niveau et vous êtes désormais en route pour une brillante carrière. Je vous encourage à faire preuve de détermination pour réussir, de sérieux dans vos études et de courage dans votre pays d'accueil que vous rejoindrez le 1er novembre prochain. À vos efforts constants répondra le succès. Vous êtes les premières d'une longue liste et je compte sur vous pour bien travailler afin d'obtenir de brillants résultats et nous rendre tous très fiers. Vous êtes les ambassadrices de cette bourse d'excellence et à travers vous, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui brillera à l'extérieur. Une signature de protocole d'accord entre la première dame de Côte d'Ivoire, la Sodexam et Barrick Gold a eu lieu avant la remise officielle des bourses et enveloppes d'encouragement de la première dame à ses filleules. Et dans l'actualité, ce soir, une saison que vous allez aimer. Très certainement, les chaînes radio et télé de la RTI vous offrent le meilleur. De nouvelles émissions à suivre et les anciennes ont été revisitées. Hier soir, le directeur général par intérim du groupe, Jean-Marc Aladou, a procédé au lancement des nouvelles grilles. Une nouvelle année des programmes qui démarre ce 4 novembre. Le reportage de Khalid Diomandé, Adama Kéré. Plus d'innovation, de dynamisme et de proximité dans les contenus. C'est ce que promet le groupe RTI aux téléspectateurs et auditeurs pour sa rentrée audiovisuelle qui démarre ce 4 novembre 2024. Tout en restant fidèle au triptyque « Informer, éduquer et divertir », la grille de programme des chaînes RTI 1, RTI 2, La 3, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 a été repensée pour offrir une meilleure expérience aux différents publics cibles. Nous avons travaillé à ce que le journal du 20h ait un équilibre interne entre l'information institutionnelle et la société. Nous avons introduit également sur nos chaînes de grandes émissions de débat. La Côte d'Ivoire va vivre une année importante qui commence maintenant. Il est important que les débats contradictoires reviennent, disons, sur nos antennes. Mais bien entendu, des débats contradictoires civilisés. Fréquence de cette saison, nos rendez-vous au Grand Carrefour d'audience reviennent. Le petit-déj, le matin, Warren FM, place publique avec nos fidèles humoristes. On aura donc le retour de Un Truc de Ouf, parce qu'il faut donner de la voix à toutes ces personnes qui s'illustrent positivement dans leur domaine. Dans cette nouvelle grille de programme, le sport occupe aussi une place de choix. La 3 sera au cœur des grands rendez-vous sportifs. Les émissions cultes comme Star Karaoké et Podium signent également leur grand retour. De quoi rassurer les annonceurs
qui auront de belles lucarnes de promotion. On a vu des contenus de qualité. Ce nouveau programme va nous aider à valoriser nos différents produits. Ça nous permet aussi d'occuper les différents espaces de la RTI afin qu'on puisse avoir plus de visibilité et de notoriété. Et au niveau de la cohésion nationale, nous avons beaucoup de communication à passer, notamment pour que les populations puissent adhérer à cette paix qui est tant prônée pour que nous ayons une année électorale normale. On sent un bon partenariat qu'on pourrait tisser avec le groupe RTI. Autant que les annonceurs, les ministres de la Culture et de la Communication sont aussi séduits par ce 109 qu'apporte la RTI dans ses contenus. Je suis très heureuse de voir cette grille de programmation qui nous donne envie d'être derrière notre écran et de savourer toutes les différentes chaînes de la RTI et les radios, bien sûr. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la RTI est incontournable dans notre paysage audiovisuel. La RTI, en ce qui concerne la première, jouera pleinement son rôle de chaîne généraliste, pendant que la 3 va jouer pleinement son rôle de chaîne dédiée donc à la musique, à la culture et au sport. Après, il faut féliciter toute l'équipe qui a travaillé à pouvoir donc nous présenter cette nouvelle grille de programme. Pour la saison 2024-2025, de nouvelles figures intègrent la RTI, au rang desquelles l'animateur Brice Anneau. Sous le slogan « L'imagination en mouvement », la mère des médias audiovisuels ivoiriens entend faire rêver les téléspectateurs. D'ailleurs, la CAN Maroc 2025 est à suivre sur les chaînes du groupe RTI. À suivre donc ce 4 novembre, la rentrée sur les chaînes de la RTI Radio et Télé. Une autre entrée en cours, celle de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Des panels rassemblent 100 personnes, dont une trentaine de participants étrangers. La ministre de la Défense du Libéria en fait partie des panélistes et ils vont parler des enjeux sécuritaires sur le continent. Walter Amadou Ouattara. À ce panel de haut niveau qui marque la rentrée solennelle de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'honneur revient à la ministre de la Défense du Libéria, Géraldine Janet George, d'ouvrir la session des échanges et partages d'expériences. L'Académie, qui voit grand, veut former 1000 stagiaires pour l'année 2025. Avec la création de nouveaux stages qui permettent de relever le défi de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Il s'agit notamment de la sûreté aéroportuaire, du contre-terrorisme maritime, du recueil et de l'analyse du renseignement antiterroriste avec le FBI américain. Le Canada et l'Union européenne soutiennent au plan financier l'AILTC. Depuis 2022, 10 millions d'euros sont mis à disposition. L'AILTC, c'est 16 pays membres. Le représentant de Teni Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, félicite cette union pour la paix et exhorte les hésitants à se joindre au groupe. C'est dire que nous devons trouver nous-mêmes des solutions africaines à nos problèmes, à nos réalités. Il nous faut être réalistes et pragmatiques et surtout tenir compte des réalités du terrain par rapport aux décisions que nous voulons prendre pour essayer de contrer cette menace. Trois panels articulés autour du thème central « Antiterrorisme en Afrique, dans un monde multipolaire » vont permettre d'enrichir les orientations stratégiques de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacksonville. Les avancées sécuritaires facilitent la poursuite du développement local, ce qui permet de répondre aux besoins en infrastructures à l'intérieur du pays. Le ministre d'État, Jeannot Ahoussou-Kouadio, conseiller spécial du président de la République, en mission dans le département de Tibissou. Il visite des travaux en cours pour l'eau potable et le reprofilage des routes. Le reportage de Kader Sogodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio est sur le terrain en sa qualité de ministre d'État et conseiller spécial du président de la République, il est dans le département de Tibissou pour des travaux de développement. À Dosakassou, il ouvre des vannes pour donner officiellement de l'eau potable aux populations de ce village en Ananfouin. De l'eau, source de vie. Un jour nouveau s'élève pour Dosakassou, qui a désormais un château. Ce don généreux est une réponse cruciale à l'un des besoins les plus fondamentaux de notre communauté, l'accès à l'eau potable. Cette infrastructure nous donne les moyens de mieux vivre, de soulager les efforts quotidiens des familles et de garantir une meilleure santé pour nos enfants
et les générations à venir. Dans la même veine, l'émissaire d'Alassane Ouattara a visité les travaux de reprofilage de la route Tébissou, d'Osakassou à Manzi. La construction de logements, de maîtres et d'une cantine scolaire à Komolosu. Pour Jeannot Aoussou-Kouadio, la Côte d'Ivoire avance. Ces œuvres méritent d'être magnifiées et nous avons appelé donc nos parents à soutenir le président Ouattara pour que la Côte d'Ivoire continue à être admirée par tous. Et nous n'avons pas manqué de souligner, de mettre le doigt sur le fait qu'il est actuellement le seul en Côte d'Ivoire qui a travaillé intimement avec le président Félix Houphouët-Boigny. Il connaît les arcanes du développement. Sur place, Jeannot Aoussou-Kouadio a procédé également au lancement des travaux du château d'eau de Propronou, de 6 salles de classe à Dosakassou. Dans l'actualité politique, la révision de la liste électorale se poursuit. Yopougon compte 166 centres d'enrôlement. Les requérants sont reçus pour se faire inscrire sur la liste électorale. Les partis sont aussi engagés dans la sensibilisation. La coordination du RHDP et de la commune, conduite par Adama Bictogo, a visité plusieurs sites. Moussa Konaté, Barnabé Konan. Âgé de 21 ans, Ben se fait inscrire sur la liste électorale pour la première fois. Il est reçu par les agents de la CEI au lycée moderne d'Andokwa à Yopougon. Ils ont pris ma pièce d'identité, rempli les informations. Voilà. Du coup, plus tard, nous allons prendre des photos pour pouvoir avoir le récépissé. Et c'est ma première fois que je vais voter en 2025. Ça serait pour moi un honneur. Autre lieu, au quartier Ouassakara, des requérants se soumettent aux différentes étapes du processus d'enrôlement. On a démarré le samedi 19. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça va, tout va bien. Il n'y a pas trop d'engouement. Mais on reçoit quelques personnes chaque jour. Actuellement, on reçoit plus de personnes qui veulent changer de lieu de vote. Et puis, on vient de débuter. Donc, on se dit que les jours à venir, ils viendront nombreux. L'opération est donc effective à Yopougon. Le constat est fait par le maire de la commune. Adama Bictogo, également coordonnateur principal RHDP, et sa délégation visite plusieurs centres. Pour les centres que nous avons visités, on regarde donc des chiffres indiqués, approximatifs. On peut noter que la population commence donc à s'inscrire, mais il est de notre devoir, les hommes politiques, de nous présenter comme des catalyseurs d'inscription. Nous allons parcourir tous les quartiers de Yopougon pour engager l'ensemble donc des populations à aller s'inscrire. La commune de Yopougon compte 166 centres d'enrôlement, des lieux qui attendent les populations jusqu'au 10 novembre prochain, date de clôture de l'opération de révision de la liste électorale. Et la mobilisation pour l'inscription sur la liste électorale continue. Le coordonnateur principal du RHDP du Sud Komoé rencontre la base pour faire un point d'étape à Kaolé, invite les cadres et militants à l'union pour le succès de l'opération. Éric Goré. Les militants du RHDP du Sud Komoé mobilisés autour du coordonnateur principal, Dr Akaolé Eugène. Une rencontre de vérité qui permet à la première autorité du parti des Houphouëtistes du Sud Komoé d'être au fait du processus électoral et surtout de privilégier l'inscription des militants. Une priorité pour le coordonnateur principal du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix du Sud Komoé. Docteur Akaolé Eugène entend vérifier tout le processus électoral dans ses moindres détails pour se rendre compte du respect des consignes données. Occasion pour lui de dresser un bilan à mi-parcours. La ville d'Abouassou enregistre en thème des militants du RHDP à ce jour 60,25% d'inscrits. Quant à Grand Bassam, cette localité a atteint les 73%. À Diaké, Tiapoum réalise 50%. Le travail que nous faisons maintenant, c'est pour le triomphe du président Alassane Ouattara. Aux élections de 2020. Quand je ne me trompe pas, je sais que vous aimez tous le Sud Komoé et que votre engagement pour le RHDP permettra au Sud Komoé d'occuper sa place, celle d'une région qui gagne. Le coordonnateur principal du RHDP du Sud Komoé a exhorté les militants et les différents responsables à raffermir leurs liens autour de la victoire du candidat du RHDP pour l'élection présidentielle de 2025.
La tribune du PPACI animée par le président du Conseil stratégique et politique du parti, Justin Katina-Koné, a abordé plusieurs sujets, dont la révision de la liste électorale en cours. Souleyman Doni Sangou. 31e numéro de la tribune du PPACI au siège du parti. Face à la presse, Justin Katina-Koné. Plus d'une semaine après le lancement de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo demeure une priorité pour le PPACI. Dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Kuibert, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que cette déchéance, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires, elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge. Lançant un appel au dialogue avec toute la classe politique, le conférencier assure que le PPACI continuera à jouer son rôle, celui de la promotion et de la défense des droits individuels. Écoutons-nous. C'est dans l'intérêt de nous tous. Parce qu'il y a des points de contradiction qui sont énormes. Mais nous avons le devoir de trouver la solution. C'est ça aussi la politique. Être capable de trouver les solutions là où les gens pensent qu'on ne peut pas y arriver. Au cours de ce 31e numéro de la tribune du PPACI, plusieurs sujets concernant la vie de la nation ont été passés au crible. Le prochain numéro de la tribune du PPACI se tient dans 2 semaines et se prononcera sur d'autres sujets d'actualité. Éducation dans le Nord, des kits scolaires pour soulager les parents d'élèves et permettre aux apprenants de travailler dans de bonnes conditions. C'est tout le sens du don du ministre d'État Tene Birame Ouattara aux écoliers de la sous-préfecture de Kawara. C'est le député Idrissa Traoré qui a remis le don. Le reportage de Kader Sogodogo. Sous-préfecture de Kawara, la communauté éducative reçoit à bras ouverts un don en kit scolaire du ministre d'État Tene Birame Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Une générosité envers les élèves et leurs parents pour leur permettre d'être à l'abri de certaines dépenses liées à l'école. Cela suscite forcément de la joie pour les bénéficiaires. Monsieur le député, chaque jour que Dieu fait, vous nous démontrez de par vos actes votre engouement pour l'avenir des enfants. Chers enseignants, mettez-vous au travail pour que les kits là leur profitent. Pour l'émissaire du donateur, cette action reste une manière de saluer le vivre ensemble, la solidarité et la paix dans le Tchologo et le reste de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État est une chance pour notre région. L'école doit être la priorité dans tous nos projets sociaux, car c'est à travers l'éducation que les sociétés les plus modernes ont pu vaincre la pauvreté. Ce sont au total 1200 kits scolaires du CP1 au CM2 qui ont été remis à Kawara et Nabingé, un autre village de la sous-préfecture. Dans l'est du pays, Octobre Rose, la campagne de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein se poursuit. Dans cette dynamique, l'ONG Maison de l'Amour a organisé une journée de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus à Bandoukou. À l'occasion, la marraine Angeline Adjoumani a offert 1000 kits de dépistage.
Dans le reste de l'actualité au Liban, Naïm Kassem succède à Hassan Nasrallah à la tête du parti un mois après la mort de Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans un raid israélien. Le Hezbollah s'est choisi un nouveau secrétaire général. Il était adjoint depuis 1991, âgé de 71 ans. Cet ancien professeur de chimie est considéré comme l'historien du Hezbollah. Il a longtemps été dans l'ombre d'un homme qui a fait du Hezbollah le principal parti politique au Liban et l'a transformé en acteur régional incontournable. Naïm Kassem prend les rênes du parti chiite à un moment crucial de l'histoire du Liban, marqué par une guerre meurtrière avec Israël. Et on termine au Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby a décrété 3 jours de deuil national. Une attaque de Boko Haram sur une base militaire dimanche soir a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Le président du Tchad est arrivé lundi en treillis militaire sur la base militaire endeuillée. Il est apparu au milieu des débris calcinés au chevet des blessés avant de lancer une opération de représailles. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le beurre de karité ne peut affronter le soleil. Dieu le voulant, on se retrouve demain.